رمنسيه كي غمزور يدي هكا واخا مقبيلي دي مونريال نسرم ذاين اريف كنافوذ كثيت يوسن فراكي غيدا تسبدن اعقال نقي قد شنفلاس وذا ونيني غا انصوف يا العقال اراد يوضن تمدي هكا فالمارث نوين صوفيا سوال نسيم نسيا يا منزو غيدي هكا وخا مقبيلي هذا وني نير دايرنا إن ضمع هذا غدي نو غنطس بوفو وصل فراكيا وداينا لا تفكن أنا غدي من ليفال هاي أنا ناوي غير ولكن غادي نصور الشغل كي غادي نبدا هكا دونك ثلاث مسلا عصروميد خاطر لاني نبقى ونيدنا Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à nos entrepreneurs ainsi qu'à tous leurs invités. Donc, pour ce premier souper conférence organisé par nos bénévoles de ce projet tant attendu. Donc, le programme de la soirée, donc nous allons commencer sous peu par servir le souper. Après ça, il va y avoir la présentation du projet de la Maison Kabyle. Qui suivra par une période de questions. Ensuite, nous allons pouvoir clôturer la soirée par un tirage. Donc, il y a deux entrepreneurs qui ont répondu à l'appel de la Maison Kabyle, qui ont offert, entre autres, donc, M. Selim Talmani de Saint-ST Graphique, qui offre deux cartes cadeaux d'une valeur de 2500 cartes d'affaires. C'est bien ça. Puis, il y a M. Hassan Jenny, qui offre donc deux t-shirts avec le logo de la Maison Kabyle. Donc, Asini Thinmertinson, on vous remercie. Puis, je vous souhaite Thinmertinson et bon appétit tout le monde. Donc, elle aura la fin. زول فلاون نسالم في كل تاكي البروجي ديال لا ميزون كابيل هذه السيوض ا بون بور صدر السيوض سندي لاقات السيوض اون فالو كونكري اون فالو كونكريتيزي اثنا ساكي نطس الدقسي كي ديرزان لي زونتربرونور هذا غير عاون في لوبيراسيون فينونسمون نفرحا طاس تاكي سي اون بروميير تم زواروث ديليت ثيا ديليت في نجمو عندنا ناكد لي زاسوسياسيون تي دوك ليوين لي زورغانيزم ناكد لي بيرسوناليتي ومن بعد اون فالونسي لوبيراسيون فينونسمون ا كروند ايشيل اللي وكن
la maison kabyle voit le jour. Bonjour, c'est Salem Aïbach, agent immobilier résidentiel avec mon ami Rabah et mon ami Zahir. On soutient la maison kabyle en autant qu'elle soit à religion, à politique. Tant qu'elle est pour ça, donc on la soutient. Merci. Azouf Lawan, Rabah Kendé, donc courtier immobilier. Donc, je suis venu à la maison kabyle. Le projet de la maison kabyle, c'est quoi le projet? Le but du projet. À condition que ce soit apolitique et qui représente tous les Kabyles et tous les Algériens. Voilà. Zulf Lawan, qui est Zahir Hania, donc le propriétaire de l'agence d'assurance Somam Prévoyance Assurance à Montréal. Donc, je suis venu à Montréal. Donc, j'appelle Mess Rachida Malkhouja pour présenter donc les membres de l'équipe de projet et commencer ainsi la présentation du projet de la maison kabyle. Fenmel Fedoué. Azul Tlaoua, Femme Fatima. Est-ce que tu le bien? Tout le monde m'entend bien? Ah oui? Super. Ok. Azul Flawan, Msekha Flawan, bonjour tout le monde. Donc, ça nous fait un grand plaisir de nous retrouver aujourd'hui devant vous pour vous présenter le projet de la maison kabyle. Donc, pour commencer, on va présenter l'équipe de projet. Donc, l'équipe d'Archida Mahfoudja. On a une grande équipe qui a constitué la maison kabyle, donc le projet de la maison kabyle. Donc, c'est ainsi ou là, Abdassin et Oliwen, donc Touhab, Nassar, Yassine, Dina, donc tout le monde, le monde du Sénéra, donc Saliha, Mahdi, Malik, tout le monde, Boaziz, Lilia aussi. Bien, Lilia. Lilia, est-ce que la fiche oublié? Yahya. Farida. Merci, Ia. Elicia. Bien, je vais avoir Elicia. Est-ce qu'on a oublié des personnes? Non, je vois Hassan. Ok, c'est bien, oui, Hassan, oui. Bienvenue, Hassan. Ok. C'est bien. Donc, on a une grande équipe dévouée, engagée, donc qui ont te rejoint l'équipe de la maison kabyle pour vous faire juste un petit historique. C'est que donc, on a commencé à 6 personnes, donc on a commencé à réfléchir sur les grandes lignes de la maison kabyle. Donc, lorsque on s'est rendu compte qu'on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire, donc on a lancé un appel pour la communauté pour nous aider. Lorsqu'on a fait un communiqué, donc l'équipe Akatswali Makikoulim, nous qui sont portés volontaires pour venir nous donner un coup de main. Finalement, la semaine de Sénat, nous avons ensemble avant de nous signer là, mais tout là, on se connaît. Finalement,
on a découvert vraiment une équipe extraordinaire. Ils ont vraiment le projet qui est la maison Kabyle à cœur. Lorsqu'on a commencé à discuter, donc Nanid Rachid discute peu coordonné de l'équipe à qui. Donc tellement c'est une équipe vraiment, on n'a rien à dire, elle est vraiment engagée. Donc j'ai accepté. Voilà, donc un grand merci à l'équipe. Voilà. Ok, donc donc là on va commencer la présentation sur le projet de la maison Kabyle. On va vous expliquer c'est quoi le mandat de l'équipe de l'équipe de la maison Kabyle. Parce que nous connaissons la semaine on s'est réunis, lorsqu'on parle du projet de la maison Kabyle. Donc on a essayé de définir c'est quoi le mandat. Donc Karatar, on ne va pas être là de manière continue. Donc on est là pour livrer un certain mandat. Donc c'est quoi le mandat? Le mandat, il est clair. Donc nous connaissons, on est là pour l'acquisition, l'allocation d'un local, d'un édifice, pour servir. Pour faire des activités de la maison Kabyle. Donc une fois le local acquis, il est loué, après la prochaine étape c'est d'installer un conseil d'administration qui va être élu, désigné par la communauté. Ensuite nous connaissons, on va se retirer. Donc en quelque sorte nous connaissons le projet, là, ça va être un projet clé en main. Donc, on loue la maison, on achète la maison, on remet la maison au conseil d'administration et lui va s'occuper de la gestion du local et des activités. Donc, pas plus que ça. Donc, pour ce faire, donc il faut la coordonner, donc il faut leur donner des tâches. Donc, on a fait un plan d'action. Un plan d'action pour distribuer des tâches. Ce que vous voyez sur le tableau, c'est le plan d'action. Il est subdivisé en 8 groupes. Donc on a créé 8 groupes de travail. Le premier groupe, donc la partie qui est highlightée en jaune, c'est on se met sur l'administration. La responsable du groupe Hakim, c'est Taous Blarbe, on est juste à ça qui est là. Donc c'est elle qui est en charge de ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le groupe d'administration? Donc, ça concerne tout ce qui est la rédaction du règlement intérieur, la charte projet, l'enregistrement auprès du registre des entreprises du Québec, la reconnaissance comme organisme de bienfaisance, la reconnaissance auprès de la ville de Montréal, donc toutes les parties administratives. Donc, il est inclus dans le groupe. Le deuxième groupe, c'est le secrétariat. Tu as fait le financement. Okay. Donc, le deuxième groupe, c'est le financement. C'est Yacine Abou qui était là. Donc, le financement, ça consiste justement à trouver une façon pour financer, pour trouver de l'argent, pour acheter le local. Pour le prochain groupe, c'est les communications. Les communications, c'est un volet important parce que c'est un groupe qui s'occupe de la préparation du site web, de la page Facebook, tous les communiqués qu'on fait, les contacts avec la communauté, avec les politiques, avec tout le monde, quoi. L'autre groupe, c'est le communautaire, donc le responsable, c'est Mehdi Hachet. Le communautaire Hakim, c'est le responsable pour faire des liens avec les associations. Et le groupe communautaire, donc il va essayer de les voir pour, justement, pour vendre le projet Hakim de la maison Kabyle. L'autre groupe, c'est le secrétariat. Le secrétariat, c'est tout ce qu'on fait, les réunions, les comptes rendus, l'archivage des documents. La responsable, Sadiha Touareg.
La logistique, c'est un autre groupe qui est important aussi, qui s'occupe de la location des salles, comme la salle qui est passée, donc c'est la logistique, l'équipement. Donc c'est la salle Eric qui s'occupe de cette partie-là. Donc l'édifice, la responsable du groupe, c'est Tiahina, ou les Sakina, mais elle nous aide pour tout ce qui est les mises de fonds, les prêts hypothécaires, pour rechercher le local. Donc c'est elle qui va s'occuper pour les portiers immobiliers. Donc c'est elle qui s'occupe de ça. Finalement, c'est le dernier groupe, c'est le lancement. C'est Tina Zenia qui s'occupe de ça. Le groupe acquis, c'est pour préparer justement les activités pour la future maison cabine. Donc ça, ce qui concerne à peu près le plan d'action. Donc là, j'appelle la salle Eric Dias, il va nous parler un peu de l'historique de la maison cabine. Assemblée Nassar. C'est bien, c'est merci pour cette présentation. Donc la maison Kabib, c'est un vieux rêve des Kabib établi de Montréal, essentiellement parce que la grande partie de la communauté se trouve à Montréal, donc c'est normal que ce soit à Montréal que le projet, l'idée de créer une maison Kabib est née. Donc déjà, vous voyez ici, en 2012, il y a déjà eu la première initiative du Centre culturel Kabib au Québec, qui a été inscrit, qui est légal, etc. Mais qui n'a pas vraiment donné les résultats escomptés. Mais il y a une tentative quand même, il faut le souligner, il y a le mérite d'avoir essayé de le faire. En 2015, il y a eu un autre projet auquel j'avais participé à ce moment-là. C'était essentiellement juste des entrepreneurs comme vous qui avaient pris l'initiative d'organiser la maison Kabib. On s'est réunis dans un local d'un entrepreneur. Si ma mémoire est bonne, c'était un local de Titoir, si ma mémoire est bonne. Je peux me tromper. Donc on a engagé la réflexion et puis il y a eu beaucoup de divergences à ce moment-là parce que l'idée n'était pas cristallisée sur les objectifs de la maison Kabib. Mais encore une fois, il y a eu le mérite d'avoir tenté de le faire. Mais c'est toutes ces expériences qui vont nous mener à ce jour-là aujourd'hui. En 2016, il y a eu l'association Maison Kabib à Montréal, qui a été aussi inscrit au registre du Québec. Et en 2007, il y a la maison Kabib au Québec aussi, enregistrée au Québec. Ensuite, il y a eu moi quelque chose. Voilà, en 2020, juste après la création du CKC, donc il y a eu une partie importante de l'activité du CKC qui était des projets communautaires. Et dans ces projets communautaires, il y avait le recensement de la population, il y avait la maison Kabib, il y avait beaucoup de projets communautaires qui étaient engagés. Et le CKC, en ce moment-là, a mis essentiellement l'accent sur la maison Kabib et il a dégagé une éthique qui a travaillé sur ça, qui a établi donc un projet de pré-faisabilité du projet de la maison Kabib. Donc il y a une étude qui a été réfléchie. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce qu'il y a l'intérêt de la communauté? Est-ce qu'il y a les moyens pour le faire? Donc je pense que c'est la première fois que le projet a été élaboré en profondeur. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a une étude qui a été faite et on est sorti avec un projet de pré-faisabilité. Mais le CKC ne voulait pas prendre en charge de façon définitive ce projet. Donc une fois le projet de préfaisabilité a été fait, ils ont sorti le projet du CKC, donc qui est devenu une équipe autonome, qui a pris le relais, qui est l'équipe qu'on vous a présentée tout à l'heure, que Rachid vous a présentée tout à l'heure, et qui a donné donc naissance à la maison Kabib. On l'a appelée à Montréal parce que la première, on pense l'établir à Montréal. Et donc, il est une association totalement autonome de toutes les organisations, qu'elles soient associatives ou politiques ou religieuses. Donc, donc c'est la maison Kabib, une OBNL autonome et indépendante qui a été constituée exactement le 12 janvier 2002. Au départ, on était 6 et puis l'équipe s'est élargie, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc pour ce faire,
pour donner de la profondeur à ce projet, nous avons voulu voir ce qui se passe ailleurs dans les autres communautés. Donc c'est pour ça qu'on a été voir différentes communautés. Et les plus connues, que vous connaissez tous, je pense, c'est la maison d'Haïti, la maison haïtienne et le centre culturel algérien. Donc on a été voir, on a demandé comment vous avez créé ce centre qui fonctionne, quelle a été l'idée, comment vous organisez, d'où avez-vous ramassé l'argent, quel type de forme juridique pour ces maisons, est-ce que c'est des OPNR, est-ce que c'est privé, etc. Donc on a été dans toutes ces maisons, une par une, et on a regardé ce qui se fait dans chacune. Donc la plus importante, c'est la maison d'Haïti. On a discuté avec eux comment vous faites, et puis on a essayé de tirer de l'expérience. La maison d'Haïti, comme vous savez, c'est une très très grande organisation. Ils ont eu beaucoup de subventions, ils font un travail exceptionnel par rapport à leur communauté. Et même, si vous avez entendu, ils dépassent le Canada parce qu'ils apportent de l'aide même à leur pays, à Haïti. Ils s'occupent des réfugiés qui arrivent. Et ils font des choses extraordinaires. Donc si on arrive un jour à faire une partie de ce que fait la maison d'Haïti, pour le début, on sera très très bien. Alors, le deuxième centre qu'on a visité, enfin, on a fait une réunion par Zoom. On ne les a pas rencontrés directement. On a discuté avec un responsable du centre culturel arménien. Alors là, c'est le top des tops des organisations. C'est une organisation extraordinaire. Alors, c'est une organisation internationale. Les Arméniens, c'est un peu comme des Kabyles. Il y a beaucoup d'immigration et ils ont subi beaucoup de traumatismes dans leur pays. Donc, ils ont été obligés un peu de se disperser dans le monde. Mais ce qui est bien dans le centre culturel arménien, c'est qu'ils ont une organisation internationale. C'est-à-dire que tous les centres arméniens qui existent dans le monde sont reliés quelque part, comme une toile d'araignée. Et toutes les associations, je dis toutes les associations, sont incluses dans le centre arménien. Par exemple, si vous prenez ici, ils ont un centre à Laval, ils ont un centre à Montréal. Toutes les organisations, qu'elles soient culturelles, sportives, toutes sortes, elles sont intégrées à l'intérieur et elles ont leur propre autonomie à l'intérieur de l'organisation. Donc c'est un système extraordinaire parce que le centre apporte de l'aide aux associations quand elles en ont besoin, mais les associations aussi apportent de l'aide au centre pour qu'il fonctionne correctement. On n'a pas parlé du centre culturel algérien. Le centre culturel algérien, on a été les voir. Et lui, il a été créé par des étudiants algériens. C'est une organisation autonome qui est totalement indépendante des structures étatiques, parce qu'on attend dans sa croix que le centre culturel algérien, c'est le consulat, pas du tout. C'est une organisation totalement autonome. Ils donnent des cours et ils vont chercher des projets, des sollicitations de la ville de Montréal. Par exemple, il y a 2 ans de ça, ils leur ont donné, je pense, 100 à 150 000 $ pour des activités qu'ils font à leurs adhérents. Voilà un peu l'étude qu'on a, l'information qu'on a été chercher pour comprendre un peu comment il fonctionne. Merci pour votre attention. La mission, on l'a inscrit exactement comme un organisme de bienfaisance. Pour l'instant, on n'est pas un organisme de bienfaisance, mais on aspire dans le futur à l'être. Donc, c'est pour ça, ça concorde un peu avec la mission. Donc, notre mission, c'est de promouvoir l'éducation, soulager la pauvreté et développer les arts et la culture, donc de manière générale. Ça, c'est vraiment grosso modo, mais à l'intérieur, il va y avoir une panoplie d'activités. Donc, la slide prochaine, s'il te plaît.
La vision, c'est quoi notre vision par rapport à l'installation du projet de maison kabyle? C'est vraiment de faire de la maison kabyle un lieu d'épanouissement et d'échange entre les communautés. Il faut le voir d'une manière que c'est un projet, c'est un centre communautaire pour toutes les communautés. Voilà, donc c'est ça notre vision. Les valeurs de la maison kabyle, c'est sûr, c'est des valeurs universelles qui émanent un peu de la société kabyle, bien sûr. C'est de la solidarité, l'empathie, le respect, la responsabilité sociale, ça c'est nouveau. C'est et de vivre ensemble. Ok, prochain slide. Les retombées dans le milieu, c'est sûr, c'est les objectifs un peu de la maison kabyle. Je ne vais pas citer, de toute façon, on va partager tout ça. Donc, c'est vraiment la maison kabyle est un projet d'économie sociale qui comporte des retombées directes dans le milieu. C'est-à-dire qu'on va donner plus, c'est un carrefour de rencontres entre les communautés, ça va être ça. C'est un centre communautaire, il faut le voir de cette façon-là, qui va venir, je pense que vous avez toute l'expérience sur l'employabilité, ça va aider les nouveaux arrivants. Donc voilà, grosso modo, les activités, on va les citer tout à l'heure, de toute façon, toutes les activités de la maison kabyle futures. Et vous allez voir, vous allez comprendre un peu plus. Voilà, donc... là, je pense que je vais appeler quelqu'un d'autre là, mais qui peut s'exprimer. On va donner. Je ne sais pas ce qui est la place. Je peux continuer sinon. Écoute, là, on va étaler un peu c'est quoi, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi les activités. Donc, le premier jalon, c'est vraiment réduction de la pauvreté. Donc, il va y avoir à l'intérieur des activités. Il va y avoir de l'aide alimentaire, par exemple, qu'on fait actuellement d'ailleurs, on va vous citer des exemples tout à l'heure. Accompagnement des nouveaux arrivants, activité aux aînés, employabilité et soutien et intégration personnelle. Il faut savoir que toutes les activités qu'on a choisies, c'est des activités qui sont subventionnées. C'est-à-dire, donc, quand on arrive à l'opérationnel, quand la maison kabyle va devenir opérationnelle, toutes ces activités-là, elles vont être subventionnées. Il y a tous les ministères qui vont les aider. Deuxième, c'est la promotion de l'éducation. Dans la pompe, il va y avoir des activités de soutien scolaire, de l'aide au devoir, de francisation, de démotivation scolaire, la violence et puis de la rue, et le développement de compétences, ça c'est la formation, les femmes en détresse, les troubles d'apprentissage, les camps de jour et la langue. La langue, quand on parle de la langue, il va y avoir un peu de tout, de la francisation et sur une place pour la tarvelle, c'est-à-dire pour la langue kabyle. Et puis, un autre volet, c'est vraiment le développement des arts et la culture. Il va y avoir à l'intérieur les activités sportives pour les handicapés et les TSA, activités culturelles de films, production des films, et puis il va y avoir projet de rendez-vous des écrivains. C'est sûr, vous allez dire beaucoup de choses, mais c'est sûr, on va aller d'une manière graduelle, c'est-à-dire on est allé dans le temps, on ne va pas aller dès le départ avec tout ça. Donc, Nassar, je te redonne la parole. Pour résumer, Dina Wahab, لا ميزون كابيل نساق خام نو بريفي خام كيدا خام عايش مع المرا لا خام غادي ساكن في القبائل بلا دي مونريال وكي انفلو شوال لا دينا اون با بروموفوا لا كولتور نا اون با سفير كونيتر لا كوميونيتي نا يلا نعاون كوي كرانا Donc la maison kabyle déjà c'est un organisme à but non lucratif au BNL. Donc après étude des autres, on a vu que c'est la meilleure forme juridique qui convient le mieux à ce genre d'organisation. Donc le conseil, actuellement il y a un conseil d'administration qui gère le projet, mais une fois que la maison est réalisée, soit une chérène, à ce moment-là, il y aura un autre conseil d'administration qui va s'occuper de la gestion de cette maison. C'est assez standard. Il y a un administrateur, un secrétariat, les finances, la promotion de l'éducation, soulagement de la pauvreté, agriculture.
Ça peut changer, peut-être selon les activités qu'on aura décidé de mener à ce moment-là, selon les moyens qu'on a, l'espace qu'on a, et selon surtout l'implication de la communauté kabyle. Mais là, peut-être qu'il y aura beaucoup d'activités plus enrichies, qui répondent le mieux aux besoins de notre communauté. C'est-à-dire, l'ILIA, c'est une communauté. Le Canada, il est composé de communautés en réalité. L'idéalement, il y a une communauté parmi tant d'autres. Mais on va être une communauté représentative que les gens connaissent et respectent, qui apporte aussi sa contribution au développement de ce pays, puisqu'après la guerre, c'est comme ça. Et si on l'organise en communauté, on le fera mieux. Donc voilà, un peu de. Donc c'est assez standard, la maison cadre de stratégie par un conseil d'administration. Bon, on dit cet administrateur, on verra bien par la suite, plus ou moins, on ne sait pas. Le conseil d'administration sera composé élu selon les modalités dictées dans le règlement. Donc il y a toutes les fonctions standards dans un conseil d'administration. Bah, ce qu'on a fait comme travail actuellement, on a fait tout le travail, tous les documents administratifs, toute la préparation, c'est-à-dire pour inscrire. Donc on a rédigé un règlement administratif, on a déposé le dossier, on a inscrit légalement. Donc c'est tout le travail qui a été fait. Bon, ça c'est, je pense, ouais. Donc, je donne la parole ici pour le prochain chapitre. Non. C'est compliqué, non ? Merci à tous d'être parmi nous à Guinée-Saguenay. C'est un soutien que vous nous montrez, puis nous avons pour la réalisation de ce faragé. Et si ce n'est pas le en fait, je suis responsable du financement. Nous avons plusieurs scénarios, plusieurs études en fait. Et nous avons trois scénarios possibles. Nous avons un scénario, nous avons un scénario, nous avons un scénario. Ça va dépendre de la campagne de financement. Donc, le scénario, le Canada a un triplex par exemple. Nous avons un soit avec un prêt hypothécaire par exemple. La campagne de financement, la mise de fonds, il y a d'autres programmes gouvernementaux, on va acquérir la maison. Les calculs ils sont basés sur un achat d'un immeuble de 1 million, pas quelque chose de très grand, c'est réaliste par rapport au marché pour un triplex normal. Le triplex à Guinée, là, c'est 350 000 dollars. 7 000 $. Donc, plusieurs programmes du gouvernement, que ce soit fédéral, provincial, dans la ville de Montréal. Par exemple, le programme guide de rénovation, c'est jusqu'à 100 000 dollars. C'est les frais d'aménagement d'installation. Et l'avenir, nous sommes de nouveau de zéro. On est déjà en pourparler, on a sollicité plusieurs partis politiques, des élus. Mais chaque nid qui est à Rahm, on est en pourparler avec eux, peut-être pour une donation d'un terrain, la rénovation d'un édifice qui est déjà construit. C'est un centre communautaire, donc c'est pour aider la communauté en général, mais chaque communauté kabyle, mais. On veut faire du bien en fait, et du coup, c'est normal de solliciter les collectivités. Le deuxième scénario, donc la location, c'est les calculs sur un coût de location de 2375.
pour un 1200 pieds carrés, Montréal Est, c'est quand même assez réaliste. On va lancer toutes nos activités à peu près dans les 50 000. Regardez le canal de Nijmar, 50 000 dollars, on a 350 000 de Venezuela. Même après l'exploitation, là, on s'est basé aussi sur le fait que, par exemple, en fait, c'est très réaliste parce que Mastra Madrassal, Lucan, Yuan, Kulion, a dit, par exemple, 10 dollars par mois, et on est à 1000, c'est très, très, très réaliste et c'est très possible, considérant que le nombre d'invaders dans la police de Kulayel, le dernier recensement, du Canada, il y avait 30 000 personnes qui ont répondu que leur langue maternelle, c'était la langue kabyle. Et 36, ah ben voilà, 36, et il y en a d'autres, c'était Fanazir, etc., etc. Et le Canada, c'est plus que réalisable, et nous avons une grande différence dans la communauté là où nous avons fait la réalité. Je vais juste montrer un peu le travail qui a été réalisé depuis le départ. C'est-à-dire, ça fait un an qu'on travaille. Hein. Ça fait vraiment un an qu'on travaille. Donc, les étapes de réaliser ce projet, c'est-à-dire actuelles, qui sont déjà passées, et futures. La première, c'est vraiment, on a fait le plan d'affaires. Tu peux cliquer dessus, s'il te plaît, sur le plan d'affaires, ça va nous amener. Donc, pour les personnes qui veulent voir, après, le consulter pour l'affaire, donc on a fait quand même le plan d'affaires de tout le projet. C'est bon pour ça. On peut passer à la plus. Le deuxième, c'est qu'on a enregistré la maison Kabyle comme une OBNL. Donc, on peut montrer le document constitutif. Donc, ça va nous permettre un peu de faire une idée sur tout le travail qui a été fait. C'est bon. Après, on a fait un plan de com et puis un règlement. Le règlement, vous l'avez au compte à vos mains, le fonctionnement de la mise en cabine. C'est-à-dire le chef d'équipe de projet, c'est-à-dire le projet lui-même dans le futur. Comment on va fonctionner le conseil d'administration. Et donc le VPS, c'est vraiment le découpage des projets qu'on a montré tout à l'heure. Et puis on a fait l'élargissement de l'équipe de projet. On est parti de 6. On est parti de 6 personnes. Là, on est revenu une trentaine de personnes à l'URF. Et puis là, on est revenu à cette étape de présentation du projet aux membres de la communauté des entrepreneurs, associations et grand public. C'est-à-dire la prochaine étape, ça va être des associations constituées selon la juridiction canadienne et québécoise. Et puis les grands publics, c'est-à-dire une rencontre grand public. Puis après, il va y avoir une étape de financement. Financement du projet, donc vous connaissez là, on est en pourparlers avec des élus, c'est-à-dire on a avec deux maires déjà, mais on a des rendez-vous officiels avec qui on va parler. Puis aussi, surtout, on compte beaucoup dans notre projet sur l'infrastructure Canada, donc probablement c'est ça ce qui va nous sortir. Et puis c'est sûr, il va y avoir une partie de financement qui va être privé des entreprises de ce monde, des banques, je fais référence à TD, qui sont là. Menel, Yassine Dan, c'est une de TD, Desjardins, on a des personnes qui sont à Desjardins. Donc, puis après, il va y avoir une autre étape, ça va être l'élection. Là, ça ne sera plus vraiment, on a guidé un peu la manière de faire dans le règlement qui va dicter la même. D'une manière démocratique, bien évidemment, l'élection, le conseil d'administration et le conseil qui va installer un bureau exécutif. Donc, c'est ça les manières. Puis, après, directement, il va y avoir aménagement local et ouverture officielle. Donc, c'est vraiment les prochaines étapes. C'est toujours moi? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Et puis, il y a une étape. Donc, depuis qu'on a commencé, quand même, on a fait des choses. Vraiment des belles choses qu'on a fait l'année dernière qui vont probablement marquer un peu les esprits.
Donc grâce à l'abnégation, grâce à l'engagement de beaucoup de personnes au sein de l'équipe là. Donc la première, c'est ce dont on est fier, vraiment, c'est le site de la maison cabine. Donc en primaire, on va le voir. Donc on ne l'a pas encore diffusé. Vous allez le voir avec vous, hein, vas-y. Donc grâce à une personne qui a fait beaucoup de travail. Donc c'est quoi? Ok, ah, oui, c'est en exclusivité. Hein. Donc la personne qui a travaillé beaucoup sur ça, Jaafar Qassi, Wahed Massi. Massi, c'est l'informaticien de l'équipe. Merci, ça, c'est grâce à lui. Et là, Jaafar, le côté prose, côté lettres et tout, texte. Donc Jaafar Qassi, il vous dit que c'est vraiment très bien, yes. Donc on lui passe un bonjour. Donc, je ne sais pas si Massima va être en train sur le site. Surtout, moi j'aimerais bien parler du côté la boutique en ligne, etc. C'est quoi la vision future qu'on va mettre en avant. Mais le Vata Zavat, moi ça va faire un plaisir. Ok. Merci Wahab. Azjouf Lawan, Azoul Assaman Wan, Azoul Yiswan. Bon, je. Ce jour-là, on va être une dernière séance à Rizal Drone au Sofara. J'aurais envie de m'aider au Sofara Khamad Baydir. J'ai insisté de porter ma contribution pour ce projet. Ma principale contribution, bien évidemment, c'est sur le volet technologique. Ça, c'est ce qu'on appelle le site de la maison Kabylie. Bien évidemment, on est résolument orienté vers les nouvelles technologies. C'est pour ça qu'on a mis vraiment le paquet sur le site internet, qu'il soit pour exposer les activités de la maison Kabylie, qu'il soit pour justement faire les collectes de dons. Ça va être automatisé, ça va être informatisé à 100%, bien évidemment. Vous pouvez faire, vous pouvez aller sur la section accueil, s'il vous plaît. Donc là, sur la page d'accueil, vous voyez un petit peu les 5 ou 6 grands axes d'action de la maison Kabylie qui défilent au fur et à mesure. Parfait, comme l'intégration, la solidarité, l'entraide, la jeunesse, bien évidemment un service d'écoute pour les femmes, bien évidemment. Bien évidemment, Thewashwood, c'est la famille. Les aînés, on a rajouté, mais probablement dans le futur. Alors, je vais juste poser une question. Si on veut faire un don, par exemple ce soir, on va faire un test, est-ce que c'est faisable? Je peux vous garantir que c'est fonctionnel à 100%. Okay. Je ne sais pas si quelqu'un peut se porter candidat et va sortir sa carte de crédit. Au moins pour 5 pièces. Ok. Ok, ça va. Ah, que c'est fonctionnel. Notre partage ce soir, c'est fonctionnel. Absolument. Donc, sauf que le risque, c'est que vous allez exposer votre numéro de carte de crédit, votre test d'expiration. Donc, vous êtes correct, vous allez exposer votre numéro de carte pour tout le monde. Ah, okay, ah ouais, c'est ça. On va le faire après. C'est pas faire après. Mais c'est pas grave. De toute façon, je vais vous exposer un petit peu le fonctionnement. Tu peux fermer cette page-là. On va revenir justement à la page d'accueil. Si on défile un peu plus bas. Donc là, un peu plus bas. Non, tu peux remonter juste un petit peu, désolé. Un peu plus haut. Donc là, ici, par exemple. Donc là, on a des volets de navigation, faire un temps, devenir bénévole, devenir membre, s'abonner. Disons, on clique sur, par exemple, devenir bénévole. Vous savez qu'il y a une différence entre bénévole et un membre. Si c'est un gars, mais si c'est un wizard, c'est deux choses différentes. Si tu es un membre, c'est que tu acceptes la charte de déontologie, de fonctionnement de la maison Kabylie. Quand on a des wizards, c'est tout le monde. Chacun peut justement contribuer à sa manière. Si tu peux remonter un peu. On va retourner à l'accueil, s'il vous plaît. Donc un peu plus loin. Disons, on va aller devenir membre, disons, devenir membre. Membre ou bénévole.
je comprends pas pourquoi le texte en kabyle ne s'affiche pas, mais c'est pas grave. Donc là, si tu vas un peu plus bas, okay. On va tomber sur un formulaire. Chacun peut soumettre sa demande justement en ligne. Ok, c'est bon. Parfait. Donc là, on va retourner à la page d'accueil. Bon. Si on descend un peu plus bas, il y a des choses pas mal intéressantes. Encore un peu plus bas. Ici, par exemple, on peut juste s'arrêter ici. Je tiens à remercier bien évidemment l'excellent animateur et puis l'écrivain aussi, Jafar Qassi, qui a perdu son rêve dernièrement, paix à son âme. Il a vraiment contribué avec sa belle plume. C'est vraiment, je travaille conjointement avec lui. Donc, aussitôt que vous rencontrez une belle phrase, une belle formulation, ça appartient à Jafar. Vraiment, je le remercie énormément. Donc, ça, c'est certains articles que Jafar a fournis. Donc là, ils sont un peu plus bas. Donc là, c'est les récentes causes. Donc là, si tu peux monter un peu plus haut. Ici, toutes les causes qu'on va ouvrir, ça va se faire de manière électronique. Vous allez voir un petit peu afficher les objectifs. Tu peux monter un peu plus haut. Donc là, c'est ce que tu as contribué. Un peu plus haut, tu peux monter un petit peu. Clique sur la s'il vous plaît. Un peu plus haut. Encore. Ok, c'est pas grave. Cliquez sur contribuer. En fait, tous les pitons, là, ça va vous ramener sur la page de contribution. Alors, tout va se faire d'une manière très électronique. Ça accepte tous les modes de paiement électronique. Donc là, c'est vraiment, ça accepte tous les paiements, qu'ils soient par carte de crédit, qu'ils soient par Stripe ou PayPal. Vous rentrez juste vos informations, votre email, votre carte de crédit, et puis les fonds vont être relevés automatiquement de compte. Bien évidemment, vous allez recevoir un reçu en temps réel, et puis les contributions seront déductibles. On peut les déduire de l'impôt à la fin d'année, bien évidemment. Bon, puis on a pas mal de pages également, comme les causes, comme la boutique aussi. Il y a quelque chose de très intéressant. On a monté une sorte de boutique communautaire. Ici, par exemple, on a certains produits, disons, qui peuvent nous aider justement à financer la maison kabyle. Certains articles que, bien évidemment, on va en discuter, qu'on va monter par la suite. C'est ça, exactement. Par exemple, si vous voulez acheter le t-shirt de la maison, vous pouvez le commander en ligne directement. Et puis, on a la galerie. Tu peux aller sur la galerie. Dans blog, pas sur blog. Blog. Donc là, allez-y sur la galerie des médias. Ici, vous pouvez suivre l'ensemble des activités médias sur cette page-là. Toutes les interventions des médias communautaires et puis tous les événements organisés de la maison. Vous allez suivre en temps réel sur cette page-là. Et puis, pour la prise de contact, bien évidemment, vous pouvez juste aller sur la page contact. Directement au service concerné. Normalement, il y a des. Parce que c'est blanc, on ne peut pas le voir, mais vraiment, on l'a écrit en langue kabyle, avec la transcription latine ou définie, mais donc, ça ne se voit pas ici. Mais de toute façon, le site est fonctionnel. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez justement faire vos dons en ligne sans aucun problème. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a. Nous avons écouté. Une dernière, je ne peux pas la louper celle-là. Une dernière, donc, je ne sais pas, madame Ibrahim Mourad, Micheline Transport. De Raha, hein? Ok. Donc, la dernière, vraiment, on a fait un exploit semaine. Donc, on a réussi à trouver 30 000 jaquettes médicales qu'on a envoyées en Algérie, 40 conteneurs, 40 palettes. Donc là, elles sont vraiment en train de traverser l'Atlantique. Donc tu peux cliquer. C'est pas grave. Donc au coût de 511 000 dollars qu'on a envoyé. Donc merci. Merci encore. Je dirais parce que c'est vraiment une fierté. On a réussi à l'exploiter, surtout Marcel, Nikir,
un certain membre de l'équipe. On a vraiment travaillé beaucoup, beaucoup de stress. Mais enfin, on a vraiment réussi l'exploit d'envoyer un conteneur complet directement au Gaïd. Et notre association de médecins, Tizi Ouzou, qui va les recevoir, qui va les distribuer. Médecins des hôpitaux, Tizi, Gaïd, Algie, Indigna, l'hôpital. C'est des médecins d'Ina, surtout des personnes crédibles, des interlocuteurs crédibles. Il faut nous les communiquer. Nous connaissons, on va les communiquer avec l'association des médecins. Ils vont leur donner un lot de jaquettes médicales. Donc les jaquettes, ça coûte 17 dollars per 0,05 chacune. Donc c'est de coton 100%. Donc Dieu merci, on les a envoyés. Voilà, d'ailleurs, je pense, les prochaines étapes, je ne sais pas même. On a beaucoup de peut faire dans les enquêtes. Bah oui, c'est certainement, c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est pas parti de rien, c'est que c'est parti d'un constat, d'un besoin. On a fait une étude, pourquoi on a besoin de cette maison, c'est pour ça qu'on est parti dans ce sens. Donc, les prochaines étapes, dans les prochains jours, ce sera le financement. Le financement, il va y avoir différentes sortes de financement. Les collectes de fonds, il va y avoir des levées de fonds. On a beaucoup de promesses, beaucoup de banques qui nous ont promis, beaucoup de personnes. On a l'État, c'est-à-dire on va aller chercher le financement étatique de tous les paliers, gouvernement provincial, fédéral, municipal. Je cite un peu certaines choses. Donation d'un terrain d'un édifice, ça c'est vraiment de pourparlers au niveau municipal. On a deux rendez-vous avec les municipalités, des maires, avec la mairesse. Donc, le financement étatique, j'ai parlé d'infrastructure Canada. Ok, Ahmed, c'est bien. Fonds canadien de revitalisation, et puis il va y avoir infrastructure Canada. Tu peux passer. C'est intéressant. Ok. Et puis, tout ça, c'est vraiment c'est-à-dire, c'est des choses qu'on va mettre de l'avant pour aller chercher le financement. Et puis après, il va y avoir une élection d'un conseil d'administration, comme je l'ai dit tout à l'heure, installation d'un bureau exécutif, et puis aménagement local et l'ouverture officielle. Tout ça, on a un échéancier. Vous avez besoin d'un complément d'information pour vous venir. On va vous donner toute l'information nécessaire sur l'échéancier, sur la réalisation du projet. Voilà, je pense. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai oublié quelque chose, c'est que si vous avez, on a 30 minutes pour les questions. Si vous avez des questions, c'est-à-dire une minute pour chaque personne, on va donner la chance à tout le monde. Sinon, pour le détail, chaque spécialiste d'un jalon, des activités, il peut vous répondre. Ils sont là, l'équipe, elle est toute là. Donc, si vous avez des questions, bref, vous avez le micro. Par rapport aux entrepreneurs cabinets.
je ne sais pas si est-ce que Saïmar a le courage à dîner la juste à la journée là. Non, il a le courage à dîner, il a le on a le financement, on a la municipalité, le gouvernement, les simples citoyens. Eux de Dermarab, les entrepreneurs, est-ce qu'ils ont affiché cette volonté de contribuer d'une manière régulière? La communauté Kabyle, si elle est filasse, si ce n'est pas la majorité des entrepreneurs, à 80% ils font affaire de la communauté Kabyle, qu'on le veuille ou pas. Donc, ça, il y a quand même un concret, les entrepreneurs ils doivent contribuer d'une manière officielle. Mais qui est-ce qui est mais ça a l'air de. Déjà, juste un point d'ordre, s'il vous plaît. Un peu de respect, s'il vous plaît. Parce que, gardez-moi, on parle, on jase depuis tout à l'heure. Oui, attends, chaque fois, voilà, s'il vous plaît. Un peu de respect, s'il vous plaît. Bon, c'est sérieux, il faut nous écouter, si vous voulez nous écouter, sinon, parce qu'il y a des raisons. Pour le deuxième volet, pour le financement des entrepreneurs, nous, on a pensé au sein de l'équipe, si vous faire honneur, on a amené les entrepreneurs Kabyle, parce que vous êtes les premiers qu'on a consultés. On n'a pas consulté quelqu'un d'autre. Vous êtes les premiers qu'on a invités. Bien sûr, on s'attend que s'il y a un financement de la même infrastructure Canada qui va construire la maison Kabyle, pour du calibre, probablement, on va se rabattre sur le deuxième scénario qui est la location. Dans la location, c'est 2000 dollars pour 2000 pieds carrés. On ne peut pas les donner, hein? On peut pas les donner. Si on donne, je dis personnellement, je peux m'engager. Je ne suis pas un entrepreneur. Mais c'est, on a 100, plus de 113 000, j'ai compris, d'entrepreneurs que je connais. Mais il y a 50 dollars par mois, on peut faire quelque chose. Au bout de 3 ans, on va bâtir une réputation, un historique pour cette maison Kabyle. Après, à l'exécutif, après le directoire qui va diriger cette maison Kabyle, il va bâtir et un projet. Il va construire cette maison. La maison d'Haïti, on l'a visité. Elle fonctionne à 2 500 000, c'est de financement étatique. Elle peut fonctionner 49 employés à temps permanent. Mais, donc la maison arménienne, c'est la même chose. Pourquoi eux, ils ont réussi, nous, non. Donc c'est ça la question qui se pose. Donc voilà, nous connaissons un scénario tout petit, on se passe. Passons les entrepreneurs, on va aller chercher des subventions chez l'État dans le taux du Paris. Il y en a, par exemple, infrastructure Canada, elle peut, pour construire, elle peut financer à partir de 3 millions jusqu'à 1 million. Elle peut financer. Sinon, si on trouvera un terrain near Amsterdam, un édifice à rénover, elle peut de 100 000 dollars jusqu'à 3 millions. Ça, c'est des choses qui existent, c'est vrai, c'est véridique. Sinon, si on ne peut pas, on va se rabattre sur la location. Voilà. Lisa, merci Tina. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, moi, je pourrais dire que ça arrive de nous sourcer à propos des Nouveaux-Nénéna. Donc, nous savons que notre jeunesse, c'est le futur. Puis j'aimerais en fait vous demander quel est le rôle que vous nous accorderez en fait au sein de cette organisation et comment vous assurez en fait que nous, en tant que jeunesse, on s'investisse dans ce projet et qu'on y croit. Merci Melissa. Yassine, vraiment d'art de succès. Quand on a commencé là, tu connais le musée, le musée, donc je t'apprends quoi, Gérard. Mais on fait vite. C'est une grande Yassine Z. Mais qu'est-ce que tu veux là, quand même, travailler et c'est un tas de l'hier que tu sais, le chef des savoirs. Donc le projet est bien, alors il est intimidé. Donc merci Yassine, qui tu connais, que tu es réveillé. Bien. Salut Yassine. Juste entre parenthèses. On vient de recevoir notre premier don. Merci Miasa. Donc ça fonctionne très bien. Je suis d'accord avec vous.
c'est le premier de beaucoup. Juste pour répondre à la question de Lisa, c'est une question légitime et très importante. Nous voulons prendre un volet jeunesse parce qu'en fait, je vais m'inclure avec eux. C'est pour aussi donner un cadre, montrer notre culture et transmettre et les plus jeunes. Les gongs de rue, etc. Et je trouve qu'une clinique, nous connaissons un cadre des linéaires colis, c'est le meilleur moyen de prévenir tout ça, puis de s'assurer que nous sommes une communauté forte. Et j'espère que ça répond à ta question, Lina. Merci. Il est aussi voyant. Donc, salut. C'est pas grave. Je suis juste ça illustration concernant les associations déjà Ma question est, est-ce que ce sont les associations qui étaient avant concernant les projets de la maison cabine, est-ce que c'est quoi leur échec? Parce que c'est avec l'échec et on a fait parce qu'on a une mention de ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, on a consulté tout le monde, c'est-à-dire on a fait un benchmarking à l'extérieur, on a consulté les entreprises, les maisons, c'est-à-dire le modèle d'affaires est proche de notre projet, qui nous a consulté. Aussi, les personnes qui sont déjà ici dans le passé, la salle était dans tout le projet depuis 2012, elle était toujours là. Mais ce qu'on a constaté, le constat de tout le monde, de l'équipe, c'était il y avait il y avait de politique, il y avait de l'idéologie à l'intérieur. C'est ça qui a fait un peu dévier la trajectoire des projets à chaque fois. Cette fois-ci, écoute, on est parti de bon pied, c'est-à-dire on s'est dit, il n'y aura pas de politique à l'intérieur. On va travailler avec tout le monde. On va dire de haute voix, d'ailleurs, on va travailler avec tout le monde, quelle que soit l'idéologie des personnes, quel que soit le colon politique de ces personnes, à chacun, quand tu arrives à l'intérieur, tu ne vas pas faire bruit, tu ne vas pas, c'est-à-dire, amener la maison cabine dans ton idéologie, même dans, je ne sais pas moi, ta croyance ou quoi d'autre. Donc, il n'y a pas de politique à l'intérieur. Soyez certains, le jour où la politique va envahir, va prendre plus de place dans cette maison cabine, moi, je vais le dire, au moins, je vais le dire à tout le monde, à toutes les personnes d'ailleurs qui m'ont fait confiance, au moins. Ça. Donc, je vais compléter une enquête de Naouké Ouhab, surtout en lien avec la question de Salim, qui nous doit dans l'historique de la maison cabine, ça date de 2012. Donc, l'historique, effectivement, c'est et les acteurs qui ont participé à l'histoire de la maison cabine. Donc, Nsaouli Mourad Ditim, qui dit personnellement Sarokouvis, Nsaouli Amar Qasset, qui était aussi, il a créé aussi la maison Qasset, Nsaouli Rassi Mourad Tbek Dachata de Kigla Ivna. Donc, effectivement, on a posé des questions. Pourquoi ça n'a pas marché? On a parlé sur beaucoup de points. On a parlé par rapport à l'équipe, par rapport au financement, par rapport à la vision. Donc, suite aux discussions qu'on a eues avec lui, pour d'ailleurs la conclusion, nous faisons pour réaliser un projet, donc ça prend trois critères pour réaliser un projet. Donc le premier point, il a un plan.
Donc si on n'a pas de plan, un plan de match, tu ne peux pas réaliser un projet. Donc le plan, ça te prend une équipe. Donc nous connaissons l'équipe actuelle, on a un plan. On a une équipe. Donc il faut savoir le financement. Donc vous allez vous poser la question, c'est qui pour rencontrer les entrepreneurs. Parce que pour nous, selon ce qu'on voit, les entrepreneurs, c'est une catégorie exceptionnelle par rapport aux autres citoyens. Donc c'est une catégorie qui se démarque. Pourquoi c'est une catégorie qui se démarque? Parce que c'est des personnes, c'est quoi le projet? Comment réaliser un projet? C'est une catégorie de personnes audacieuses. Ils aiment prendre des risques. Donc, vous allez comprendre le projet. Okay? C'est sûr, par la même occasion, on souhaite un financement significatif des entrepreneurs. Donc, c'est le problème de mise de fonds. La mise de fonds, il n'y a personne qui peut nous donner la mise de fonds. Les banques ne peuvent pas nous donner la mise de fonds. Donc, c'est la communauté. C'est les entrepreneurs, c'est le monde, la communauté. Donc nous connaissons, puisque Zahir Lina nous a posé une question directe. Donc la réponse, oui, effectivement, Nardja Matas, c'est les entrepreneurs. On souhaite vraiment une aide remarquable. Fermez-vous. Marché Djurdjura. Ok, est-ce que ça va être Majid, c'est Marché Djurdjura. Azul Filaoui. Bon, ma première question, c'est-à-dire que quand je vois les présents, c'est-à-dire je me pose la question, où sont les autres opérateurs? Les opérateurs NAP, moi je ne les vois pas ici. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont reçu leur invitation ou pas. Secondo, pourquoi ne pas être ambitieux? Parce que j'ai vu votre discours, je vous félicite pour votre engagement, mais il n'y a pas d'ambition. C'est-à-dire, il faut aller viser loin. Il faut aller viser loin, il faut chercher de loin. Moi je m'excuse, je n'ai rien contre les autres communautés. Moi je ne vais pas prendre la communauté haïtienne ou arménienne comme référence. Je suis vraiment désolé. Il faut chercher, il faut aller au chat. Moi, c'est ça que c'est mon point de vue. Et merci. Si je peux juste dire un mot par rapport à ce qui a été dit à propos de la maison arménienne et de la maison haïtienne. C'est juste pour voir c'est quoi les moyens qu'ils ont mis en place pour atteindre ce niveau-là. Donc, ils arrivent à financer plusieurs activités. Ils arrivent à aider, entre autres, des personnes de leur pays. Et ça, on trouve ça merveilleux, parce qu'on n'a pas cette capacité-là. Puis, donc, c'est dans ce sens qu'on est allé voir donc, ce modèle d'affaires, que ce soit avec la maison d'Haïti ou la maison arménienne. C'est sûr que nous avons notre culture. Nous avons... Donc, voilà. Si nous avons été visiter des organismes qui existent et qui fonctionnent, c'est un peu pour avoir de l'expérience. On n'a pas cette expérience ici au Canada. C'est pour voir comment ils fonctionnent, quels ont été les problèmes, quel type d'organisation ils ont mis en place, comment ils se sont financés. C'est juste un peu ça. C'est pour avoir l'expérience de ce qui existe déjà et de ce qui fonctionne. Parce que la maison d'Haïti fonctionne très très bien. Mais ils ont leur culture, ils ont leur façon de faire, on a notre culture, notre façon de faire. Tout à l'heure, j'avais dit, la maison Kabyle prendra la dimension en fonction de l'implication de ses membres. Si la communauté Kabyle s'implique dans la réalisation de ce projet, elle sera aussi grande que l'implication est grande. C'est tout. Et on va faire la maison selon nos besoins, selon nos ressources, selon nos moyens et selon... notre histoire, notre façon de faire. Voilà. Il y a juste une question qui m'a été posée en cours. Je vais la partager avec tout le monde parce qu'apparemment, il y a
une incompréhension, il me semble, tout à l'heure j'avais parlé d'organisation, de neutralité politique et religieuse. Neutralité politique, ça ne veut pas dire que nous allons nous détacher du politique. Si nous allons encourager tous les membres de notre communauté à se présenter aux élections, parce que notre relais avec les politiques, il se fera par nos élus, qu'ils soient au municipal, qu'ils soient au fédéral ou qu'ils soient au provincial. Donc tout candidat kabyle qui se présentera aux élections, quel que soit le parti qu'il aura choisi, aura le soutien de la maison kabyle. Mais nous ne ferons pas de politique. Nous ne pencherons pas vers un parti X ou Y. Nous allons traiter des candidats de la même façon, qu'ils soient du Parti québécois, du Québec solidaire, du Parti libéral conservateur. Pour nous, c'est un candidat kabyle et on va l'encourager, on va l'aider du mieux qu'on peut. Voilà un peu le sens de la neutralité politique. Juste pour l'analyse comparative qu'on a fait, parce que le modèle d'affaires Nord, il est comparable à la maison d'Haïti, juste parce qu'on a fait ça. Mais dans l'informel Amadjid, j'ai consulté quand même la Casa Italia, le centre d'Irab de Vinci, mais eux, c'est des Italiens, ils ont des entrepreneurs italiens aussi. Donc, c'est juste pour vous dire, avec la surveillance, la Chaillot, nous, oui, on a confirmé, mieux au 602, au cinéma, mais ça, il y avait juste, même pas 60%. Donc, juste pour te dire, donc, il y a une différence quand même, quand tu as des Italiens, hein, merci. Oui, parfait. Donc, monsieur Medjid, ça va? On arrête de vous stresser? Donc, c'est à dire, oui, monsieur Ardouane Wali. Azouf Laouen, salut. Ça, juste deux petites remarques. Je ne sais pas si c'est peut-être par manque de temps par rapport au site internet qui a été fait. Ma question, est-ce que c'est par manque de temps? Ça, c'est ma première remarque. Et deuxièmement, une autre petite remarque par rapport à la communauté arménienne. Je la connais très très bien. Tout à l'heure, c'est une communauté qui est partagée partout dans le monde. Ils sont partout dans le monde, ils sont déchiquetés. Ils reçoivent des dons de Vancouver, ici à Montréal. Ça a plusieurs organismes communautaires. Ça a une école à Montréal, une école arménienne à Montréal, à Laval. Donc c'est un très très bon exemple qu'on devrait prendre. Si on a les moyens de s'en approcher encore plus de pour apprendre, moi je vous encourage parfaitement à le faire. Et si vous voulez, je peux vous mettre en contact avec une personne qui va vous donner encore plus de confiance. J'ai une autre remarque, c'est par rapport à l'analyse financière que le monsieur a faite sur acheter un duplex et tout. Là, on parle d'un statut commercial. Il ne faut pas s'orienter vers quelque chose qui est résidentiel. Donc, si on doit chercher, il faut qu'on cherche dans un zonage commercial. Voilà, et merci. Donc notre jeune qui s'est présenté aux élections pour le Parti québécois. Merci beaucoup. Azulf Laouen, bonjour tout le monde. Dans le fond, moi je suis venu ici pour dire que je soutiens amplement le projet de la Maison kabyle. Dans le fond, je vais être présent tout au long du chemin pour rencontrer les élus et permettre d'aller chercher le plus de financement gouvernemental possible. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est mon objectif de voir ce projet-là se réaliser. Puis on va mettre tous les efforts nécessaires pour qu'on puisse justement arriver à notre maison kabyle qu'on veut tous avoir. Donc, sur ça, je vais pas vous prendre trop de temps, puis je vais prendre le micro. Merci beaucoup, Yassine. OK, dernière question, voilà, une toute dernière. Donc,
Donc, Monsieur Ahmed Bouhertens. Voilà, Azul. C'est peut-être une proposition de film, peut-être un petit peu de Kaza, est-ce que Khamem a trouvé des sponsors? Par exemple, Bell, IGA, Maxi, les grands. En contrepartie, par exemple, est-ce que présenter le projet tel qu'il est? Et en contrepartie, est-ce que nous avons la visibilité, la publicité, la quelque chose? Est-ce qu'on a pensé à ça? Oui, je vais juste pour clarifier. Hein. En fait, même le site, on ne l'a pas dit, mais on va le faire. C'est-à-dire, on va, il y a un anglais de Sydney, il va avoir un site pour partenariat. On va mettre une politique de sponsoring, de commandite, on va le faire bientôt, vous allez être coordonné. Le deuxième volet, pour tous les grands acteurs financiers, etc. Donc, on est en pour parler. Par exemple, Desjardins. Moi, je suis administrateur au sein des jardins, donc j'ai beaucoup de promesses, mais il n'y a rien de palpable pour l'instant. TD, je pense, ils sont là, ils peuvent nous aider, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Donc c'est sûr, la vision futuriste, c'est cette vision-là. C'est de, comme on dit, d'aller chercher les grandes entreprises pour le sponsor, bien sûr. تاسيس تقسيلي ديلان وهاد مازال ماس يوديه يوديك يعني سي لي دو ديرني باش بوغي با فو ليسي سون فو دوني لا بارول جو باسي لا بارول اي فيلس الزول في الاول او انني قبل أولين يوم ولد بدو أسقسيينو أولين غيوز غفاس نفارقيا شكرا داس نفارق جلزم داس نفارن دوكليم داس نفارن تقبيلي داس نفارن راون في اللي نزم لدنيني Donc juste pour traduire pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai dit que c'était un projet d'union et que c'était un projet des enfants de la liberté. Donc ma question, c'est, donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'enjeux sociaux, que ce soit par rapport à la lutte contre le décrochage scolaire, la violence faite aux femmes, etc. etc. Est-ce que, quelle est la ligne directrice? Est-ce qu'on a un réseau de professionnels par rapport à ça? Quelle est la méthodologie derrière, en fait, pour pouvoir traiter ces différents enjeux? Oui, c'est complètement, on a déjà mis en exergue, c'est vraiment, ça va être au départ, bien sûr, des bénévoles. Ça va fonctionner comme ça. On bosse toujours les trois premières années pour bâtir un historique, une réputation, ça va être de bénévolat. Au bout de 12 ans, 3 ans, comme tous les autres maisons et assemblées de la communautaire, de 3 ans, tu vas avoir un historique pour faire des demandes de subventions. Et des subventions, c'est pas simplement. Donc à partir de là, la maison d'habit, elle va avoir des employés au bout de 3e année, 5e année, elle va avoir des employés pour faire. Au départ, c'est certainement, on va avoir un directeur probablement qui sera payé. Sinon, tout le reste, ça va être du niveau. Après 3e année, c'est là que ça va commencer. On va chercher des budgets de fonctionnement qui sont disponibles. C'est le dernier. Donc, Nguero, mais c'est Abdelkamel Khaltrou, Jaysaïe Soussé. زوجي أول أعطيكم صحة من دوسين الساعة وصفرة دونك كي كمال خد حجة يكون دينا دابور أعطيكم صحة فخدمة يخدم لك هي زرع كي تسوي بالكم دلوا تصيب عليه الجماعة خلال الوقت الأول يدفكين المغاس ولقلاقين الوقت يعني ذا الوقت عزيز Vous avez rencontré des gens, vous avez rencontré plusieurs galas aussi, vous avez sollicité les gens,
j'ai vu le site web de l'ami Ilhas Ouattas. Donc, qui est là par rapport au projet AIF, je sais que tout le monde, 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 tout des associations, des associations qui ont été 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 des le projet, mais tu on vise pas loin. C'est pas qu'on vise pas loin. Il faut commencer par quelque chose de petit. Ou mins même avec le mal là. Faut ça. Hajar après ça les taxes, après ces taxes après on va toiture, on a des gens qui viennent de la toiture. Au lieu, on a fait l'activité non, l'activité. On commence à se nommer un chercheur, une activité qui vient bas. Donc nous qui avons vu ces hajars, ça nous vient. Par exemple, on peut louer un local, un caran. On a les moyens de louer. On peut solliciter les professionnels d'ailleurs. La location, c'est quand même quelque chose. On a un budget pour ça, nous sommes en train au lieu de faire en France. Après, une fois que le budget, les bénévoles courants, et puis l'activité de l'air, et puis ils viennent, la maison qui habite, venait derrière, dans la classe, on peut avoir des ambitions pour avancer en France. Il y aura d'autres occasions, il y a des difficultés, plus en détail sur ma démarche personnelle dans ce projet. Ça me fait loin, ça. Je suis Kamal. Donc, vous avez mis le bonnet d'hier. Un petit deux minutes. Et qu'on a dit le tirage à la fin de la soirée. Ça me fait mal, Tina. Ça me fait mal, merci pour la question. La présentation de l'Union européenne, il a présenté trois scénarios. Il a dit que nous sommes ambitieux, donc nous visons l'achat, on veut acheter. Donc pour acheter, ce n'est pas une mise de fonds. Donc en fonction de la mise de fonds, donc si on a réussi à réunir la mise de fonds de 30%, donc mais là le duplex, le triplex, il coûte 1 million, si on arrive à réussir à réunir 300 000 dollars, 350 000 dollars, maintenant on peut acheter, on peut solliciter un prêt hypothécaire. Si on n'arrive pas à mettre la mise de fonds nécessaire, maintenant on va se rabattre à la deuxième option. Donc c'est la location, on va rejoindre le cabinet. Faites mes fils. Tina ? Oui ? Bonsoir tout le monde. Vous avez commencé un bon travail et puis une suggestion que je peux vous faire, c'est de faire des comités de réflexion et tout le monde peut s'intégrer. J'ai entendu la jeune fille qui parlait de la jeunesse. Vous êtes le futur. Vous êtes le futur. C'est les jeunes qui doivent prendre une grande place là-dessus. Maintenant, en ce qui concerne duplex, triplex, quadriplex, tout ce que vous voulez. La première chose à voir, c'est l'aspect juridique. Il faut voir un fiscaliste. Je ne sais pas si c'est l'équivalent de l'OSPL qui existait avant. Donc, et vous savez que dans la fiscalité, quand c'est à but non lucratif, à la fin de l'exercice fiscal, on doit avoir zéro dans les caisses. Ce qu'il y avait comme entrant, il doit y avoir l'équivalent de sortie. Donc il faut consulter un fiscaliste, il faut voir les jeunes, ils sont très bien, ils sont formés dans les universités, ils sont efficaces là-dessus. Merci. Donc, pour d'après Garam, il y a un rôle de l'histoire,
انا ديرا لو تيراج وي تبغى تديني لا وين يد مرات دونك ايش كان 30 سكوند زوج الاول مرحبا اسمي نبدا اللي كيما بون كي نبغى نتفكر في شتين خاطر ولا عندها سي دي اي دي هضر من مدة دار لي دي اللي تراجع غادي تمدد مي ناس بالك كوالفا خدم هذه معروي نخدم على انيماسيون ناس جي مري بيان باغ اكزومبل اخا مقبيلي كي ولا غادي ندير لك الفاس كنص تريكو اديشن تاعنا وين متحوجه مقليله J'aimerais bien, par exemple, nous aimerions organiser un gala, avoir des chanteurs de Khama Gala, parler à Ossetnet, qui est Khama Kouveri. Oui, là, pour moi, c'est une source qui est réunie, là, des chemins. Mais là, nous aimerions un Khama Kouveri, un Khama Kouveri, nous aimerions un Khama Kouveri, une salle de fête, dans la dernière fois, qui est réalisée à Issia, ce qui est à 600 dollars, ce أخمني مقار ذا عن زمان تخم دوكو داكتيري تيدينا تشكروا دين صادو تسيالي دون نفدوين في مغرعوين تينا ديوين يديريمن تينا ديوين أتصل إلى كل كيرنا وثان مرنو مرسي بيا تنبرتي كمارات تيجي دي بتكتي وين qu'on va prendre en considération donc vous voyez nous qui donne l'ensemble de ceux qui ont intervenu donc alors ce fait nous livrer la date de Mislayen vous pouvez toujours nous écrire donc vous avez les coordonnées sur Facebook, sur le site de la Maison Kabyle, Al-Sophie Soud. Donc, on a tel tirage. Donc, il y a maintenant Ferida, maintenant Licia, maintenant Izir, qui vont donc tirer au sort les personnes qui ont participé. Donc, nous avons pour le premier prix, offert par M. Selim Telmani de Saint-Estégraphie. Alors, une première carte cadeau d'une valeur de 2500 cartes d'affaires. Donc, bonne chance à vous. Vas-y, désolé. Je vais lire le numéro. Par contre, si quelqu'un peut l'écrire aussi sur l'écran. Donc c'est 0, 2, 9, 5, 5, 7, 7, 8. 0, 2, 9, 5, 5, 7, 7, 8. Félicitations! Donc, c'est le même Candy. C'est vrai? C'est le même lui. C'est le même. Ok. Donc, elles sont là, les mais Candy, on va vous donner le présent. Je vais aller. Cadeau de 2500 cartes d'affaires offertes par Salim Tilmani de Saint-Estégraphie. Ok, donc c'est le 02 9 5 5 8 7 7. Donc je répète 02 9 5 5 8 7 7. C'est la maison de Gabriel. Tu veux dire? Ok, donc le 0, 2, 9, 5, 5, 8, 7, 7. Donc, félicitations à MS Ahmed. Donc, voilà. Alors, le troisième tirage, ça va être donc un t-shirt avec le logo de la Maison Kabyle, offert par M. Hassan Jani.
8-0. Je répète, 02-9-5-5-8-8-0. Donc ça va être la petite Tizéry, donc on te dit félicitations. Donc le prochain tirage, ça va être un deuxième chandail. Toujours par Mas Hassan Janif Al-Malfik. Alors ça va être le 02-9-5-5-8-5-5. 02-9-5-5-8-5-5. Non, donc, ça sera transféré au 0, 2, 9, 5, 5, 8, 7, 8. Donc, 0, 2, 9, 7, 8. 7, 8, oui. Merci. Le troisième tirage, donc le troisième cadeau sera offert par Clinique Expérience Persani, donc qui offre un soin d'une durée d'une heure et demie au vieux port de Montréal, donc d'une valeur de 400 $. Bonne chance aux participants. Alors c'est le 02-9-5-5-7-8-6. 02-9-5-5-7-8-6. Le prochain tirage, ça va être offert donc par ME2S, par mon Martij Dijdan de Tzouachouté, sous ma limite elle-même. C'est deux billets gratuits pour le prochain spectacle à Montréal. Comme c'est le mauvais spectacle, donc bonne chance aux participants. C'est un gala surprise. Donc 02-9-5-5-9-3-0-2-9-5.